السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نادي الريان ونادي الخرطيات في الجولة 17. وشرنا أن يكون معنا مدرب نادي الريان السيد لوران بلان، وأيضا اللاعب نايف الحضرن، كما يشرنا أن يكون معنا عبر تقنية الفيديو الأخوة الإعلاميين. ونبدأ بطرح الأسئلة. وهل يرى أن مواجهة الخرطيات فرصة من أجل استعادة الثقة للفريق من جديد؟ effectivement c'est un moyen, c'est une opportunité pour renouer avec la victoire. Mais je porte beaucoup de respect à cette équipe de Karatija. Je pense que nous avons eu deux matchs difficiles, on le savait, jouer Al Dulaï et Al Saad, qui sont les deux meilleures équipes du Qatar. On savait que ça allait être difficile à tous les niveaux, au niveau technique, au niveau physique. En plus, c'était deux matchs de reprise, puisque pendant trois semaines, on n'a pas eu de match, donc on n'a pas eu de compétition. Donc voilà, on savait que ça allait être deux matchs difficiles pour la reprise, et ils l'ont été. Après, Al Karatija, c'est un match de championnat, il nous faut gagner. On le prépare pour gagner. Je pense que Karatija prépare aussi le match pour gagner. Donc, j'ai beaucoup de respect pour toutes les équipes, Karatija y compris. Donc, à nous de bien se préparer et de renouer et de vouloir renouer avec la victoire. الخسارة من الدحيل في آخر مباراة في الدوري والخسارة في نصف نهائي كأس قطر أمام السد، هل سيكون لها تأثير سلبي على نفسية اللاعبين؟ J'espère que non, même si nous sommes très déçus d'avoir perdu ces deux matchs, nous savions que nous jouions contre les deux meilleures équipes. Après, sur un match, tout est possible. Al Dulaï nous a vraiment été supérieur, nous a dominé. Sincèrement, Al Dulaï méritait sa victoire. Après, sur le match de coupe contre Al Saad, bien sûr qu'Al Saad a joué avec ses qualités, nous avons joué avec les nôtres. Comme vous le savez, on a beaucoup de joueurs blessés ou atteints par le Covid-19. Ce n'est pas une excuse, mais il faut quand même en tenir compte. Donc voilà, on a fait ces deux matchs, ils sont difficiles. À nous de nous préparer pour retourner dans la compétition du championnat. Nous savons qui c'est qui va terminer premier et deuxième, et vous le savez aussi, qui c'est qui va terminer premier et deuxième. À nous de faire en sorte qu'on termine le plus près de ces deux équipes-là, et à nous de gagner les matchs en championnat, de jouer les matchs, de bien se préparer pour jouer les matchs de l'Asian Cup. Et on a un match intéressant aussi en Emir Cup. Donc voilà, les joueurs doivent être conscients que le championnat est une des priorités et que nous retournons dans le championnat après-demain et qu'il faut gagner. Donc il faut avoir beaucoup de respect pour cette équipe de Karatija, mais il faut se préparer pour gagner le match. سؤالي لمصر لوران، المباراة القادمة أمام نادي الخرطيات وهو نفس المنافس الذي سيلقى الريان الأسبوع القادم في بطولة كأس سمو الأمير، هل بواجهته في بطولة الدوري استعداد قوي من أجل التعرف أكثر على نقاط القوة والضعف للمنافس من أجل المباراة المهمة في بطولة كأس الأمير؟ Effectivement, c'est pour moi et pour mon staff, ça sera certainement une occasion de mieux connaître cette équipe-là, même si on l'a regardée dès cet après-midi, on a regardé son dernier match, on les a regardés contre Wakra, où ils ont gagné. Donc voilà, on les connaît par vidéo. On aura l'opportunité de les jouer deux fois, que ce soit, comme vous l'avez dit, en championnat et en Emir Cup. Donc oui, on connaîtra mieux Karatija, mais Karatija connaîtra mieux Al Rayyan. Donc voilà, j'espère qu'il y aura deux beaux matchs. Match de championnat, c'est les points, et match de, comme vous le savez, d'Emir Cup, c'est de se qualifier pour le tour suivant. Donc à nous de bien préparer ces deux matchs-là et d'être fin prêt pour re-bien jouer au football, parce que c'est vrai que contre Al Dulaï, où on a été dominé, contre Al Saad, où on a tactiquement, au niveau de la discipline, on a été très bon, mais techniquement, j'ai trouvé qu'il fallait qu'on s'améliore. Donc, il faut continuer à travailler, que ce soit dans tous les domaines. Donc, on a vu ce qui nous séparait
des équipes comme Al Doulay et Al Saad. Donc à nous de travailler, à nous d'être conscients du travail qu'il y a encore à faire. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà, c'est des matchs qui, je l'espère, nous permettront de progresser et de retrouver un beau football. Merci.